Yo tout le monde, j'espère que vous avez la forme. Moi ça va nickel. On se retrouve sur Smashing Four, pardon. Et aujourd'hui on va faire plusieurs choses. De 1, je vais essayer de terminer premier de ce tournoi. Parce que comme vous pouvez constater par vous-même, je suis à égalité avec les premiers. Il reste 3 heures et j'ai 2 jetons. En plus d'un 3 points, je débloque une orbe. Donc on va essayer de faire ça bien. Et on va essayer de passer à 2000 trophées pour atteindre la nouvelle arène qui est le château en bambou. Donc dans cette vidéo, je vais essayer de passer les 2000 trophées et on va s'attaquer tout de suite à ceci, sans plus attendre. Donc voilà, c'est ce que je compte faire de cette vidéo. J'espère que ça va le faire. Celui-là, théoriquement, j'y arrive plutôt bien. Hop. Et hop. Allez, nickel. Déjà, ça fait 3 points. J'ai la récompense et je suis premier. À mon avis, c'est une question de temps avant que les autres me rattrapent. Mais on va voir ce que ça donne. Donc déjà, je peux réclamer une orbe. Réclamer. Allez, on y va. Alors oui, on va voir ce qu'il y a dedans. Ok, c'est pas fameux du tout. Alors soit je réserve mon jeton pour la prochaine étape, soit je m'assure d'être premier. Et ce que je vais faire, c'est que je vais m'assurer d'être premier. Je vais m'assurer d'être premier. Parce que bah, je préfère la jouer sécurité. Au pire, je galérerai sur le prochain. Wow, j'ai été trop nul. Hein? J'aurais su, j'aurais gardé mon jeton. J'aurais su, j'aurais gardé mon jeton, les gars. J'ai été mauvais. Ok, bon. Ça fait un en plus, hein, c'est toujours ça, on va dire. Donc ici, on va essayer du coup de faire les missions en même temps que pour passer. Donc. Deux orbes, victoire, ok, en fait rien de spécial. On va lancer la bataille directe. J'espère que je vais gagner parce que ça me ferait chier de régresser là. Mais en fait, ce qui joue beaucoup à mon niveau là, c'est les niveaux. Vous voyez, ils sont niveau 10-10. Ouais, non, ça va, c'est assez équitable. Donc j'espère que ça va le faire. Déjà, quand je vois son premier tour, je me dis que ça commence quand même relativement bien. Allez, hop. Donc j'utilise beaucoup l'arbre pour taper sur mon assassin. Donc l'assassin, c'est celui-là là, et lui il fait beaucoup de dégâts quand comment dire, quand c'est pas son tour justement. Si tu le tapes tu le touches pendant que c'est pas son tour, il va faire full dégâts. Donc moi j'utilise énormément pour ça en fait. Et en plus l'arbre booste les dégâts que colle quelqu'un. Donc waouh, mais il fait trop mal. T'as vu comme il m'enlève de vie le bâtard? Attends, mais c'est un truc de ouf. Non mais c'est normal de coller autant de dégâts là? Ah, le mec il m'a gagné, c'est sûr. Qu'est-ce qu'il m'a dit ce... Ouais, désolé. J'espère trop le gagner là, il est beaucoup trop sûr de lui ce bâtard. Non mais attends, mais c'est pas normal en vrai. Le mec niveau 9, il me one-shot quasiment un type. C'est normal que je perde. Hein. Ça commence très mal les gars. Ça commence très mal et ça va vite me gaver d'ailleurs. Allez hop. Ah, je n'ai tué. Même pas tué, mais gros, mais ils ont combien de vie, ces gars? C'est truc de fou. Ok. Ça va être compliqué là. Là, ça va être très compliqué de gagner. Je vais essayer de faire une double, mais. Même si je fais une double là, ça va être chaud de remonter quand même. Ça va être chaud, va falloir que je la joue super bien. Mais son truc en bas là avec les fusées, on en parle ou pas? Truc de fou. Il a été bête de viser mon squelette parce qu'il va revivre. Il va revivre comme ce qui vient de se passer. Donc j'espère que j'ai tué son jaguar, mais l'autre en bas il fait trop de dégâts là. Il fait beaucoup trop de dégâts. Genre ça m'a choqué. T'imagines, mais les dégâts qui collent. Mais regarde ça ma gueule. Mais regarde les dégâts qu'il met. Ouah, je comprends pas. C'est clairement abusé. Je vais essayer de la jouer stratégique en faisant ça. Oh le bâtard, je l'ai pas touché, putain. Je vais me faire dégommer si je joue comme une merde. Je comprends, un coup il fait vla les dégâts, un coup il fait zéro dégâts. Là, lui, il va falloir m'expliquer c'est quoi le principe de ce personnage. Mais c'est une blague! Putain, mais c'est une blague, les gars! Regardez ce que je fais depuis tout à l'heure, je fais que de la merde! Non, mais là, c'est abusé en vrai. Oh, c'est presque fait exprès, t'as bien vu. Je rebondis sur l'arbre exprès pour. Ah ouais, c'est chaud, hein. Eh, s'il me gagne, je suis vraiment une merde, hein, parce que franchement. Gros, je le vois venir là, il va me défoncer. Je le vois venir en plus, c'est ça le pire.
L'arbre, ça c'est cool parce que le squelette, du coup, il va attaquer beaucoup plus fort. Mais il a au taquet de vie en plus, son truc. Hein. C'est le combat qui va durer un an et demi, ça. S'il est pas bête, voilà, il vise l'arbre. Parce que le squelette, ben, il va revivre. Ben, par contre, j'ai pas de chat. Hein. Moi, il n'y a aucun rebond qui le tape deux fois, quoi. J'ai vraiment pas de chance. L'arbre. On va essayer de le toucher deux fois. Ah voilà. Bah là c'est bon, il est mort, c'est fini. Il peut pas. Ah à part si. S'il est pas bête, il aurait tapé en bas. Et histoire de. Bah il est bête, il a mal joué. Donc j'ai gagné. C'était serré les gars. Là c'était chaud patate. Et ouais, il fallait qu'il tape en bas et que les rouleaux là ils me fassent des dégâts aux deux types. C'était son seul moyen d'essayer de gagner, mais il a pas joué comme ça. Donc hop, parce que j'ai déjà une quête de débloquer, donc hop. Les gars, si je gagne ce combat, on a déjà réussi ce que je veux faire dans la vidéo, c'est-à-dire passer à 2000 trophées. Maintenant, on va voir le deck. Je tombe sur le... Ouh, vous voyez là, ouah, niveau 11, 10, 10. Donc les gars, là, c'est tendu niveau level. C'est quoi ça au milieu? Je sais pas, j'ai jamais joué sur cette map les gars, donc je sais pas du tout. Qu'est-ce qui se passe quand on touche le milieu? Qu'est-ce qu'elle a de spécial cette map, vous pensez? Hein? J'ai activé un gaz. Attends, mais comme par hasard, c'est moi qui chope le gaz, c'est une blague. What? Attends, mais... Oh! Eh les gars, là c'est même pas une défaite, c'est... Eh, le mec, il m'a un tour, il me prend un gars. S'il fait ça à chaque tour. Mais waouh, mais c'est trop stylé cette map. En gros, au milieu, il y a un effet aléatoire chaque tour. Par contre, je suis en train de me faire, mais. Oh, les gars, ils me maltraitent. Sans souci. Hein. Waouh, ils me dégomment. J'espère que je vais la gagner. En vrai, c'est chaud là. Quand je vois les niveaux 11, 10, 10. C'est un niveau, hein, mais ça fait grave la diff, un niveau. Je vous le dis direct. Yes, je lui ai donné l'attaque. Eh, c'est jouable. Ça part mal, mais c'est jouable. Sachant que j'ai des levels vraiment, vraiment plus bas, hein, quand même. Ça, je tiens à le préciser. Là, c'est chaud, là. Je vais le lancer sur mon assassin, lui. Espérant que l'assassin touche aussi le gros lard, là. Putain, non. C'est chaud, les gars. Franchement, là, l'écart de niveau, il se fait sentir, tu vois. Parce que j'ai pas été mauvais du tout. Mais tu vois bien que le mec, il a des cartes, elles sont dans le futur. Eh, c'est dommage, là. J'étais vraiment à un de... De passer du bon côté, quoi, de réussir, mais là ça risque d'être. Oh le bâtard! Putain, en plus, voir la vie qui se redonne, quoi. Putain, mais oh gros, ben, impossible! Je vais jamais l'avoir à ce bâtard là, il se redonne de la vie. Ah, déjà, toi, t'es plus là pour en parler. Ah non, mais c'est bon, à mon avis, c'est fini, je vais continuer parce que ben on sait jamais, hein, mais. J'espère que sa connexion va lâcher, je sais pas. Ouais, t'es fou, il m'a défoncé. Donc, on va quand même faire en sorte que le squelette revive. Enfin, si je peux. Allez, allez. Ouais, par contre, son espèce de Yeti, là, je sais pas ce que c'est, mais il est violent. J'espère que mon squelette, il va revivre. Yes, il va revivre. Ok. Je peux la jouer comme ça, si je suis bon. Lui, j'espère qu'il va rebondir tout droit et se reprendre mon squelette. C'est exactement ce que je voulais. L'autre, il a un boost d'attaque, par contre, donc ça pue du cul. Clairement, on va pas se mentir. Là, va falloir que je la joue bien. S'il est pas bête, il vise mon arbre. Parce que le squelette, il va revivre quoi qu'il arrive. Voilà, il est pas bête. Enfin, dommage d'ailleurs. Mais... Ouais, il a trop de vie, lui. Je lui fais zéro dégâts. Il s'en bat les couilles. Allez, vise le squelette, l'ami. Aïe, 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 il est bon. Enfin, il est bon. Il joue normalement, quoi. Hein, c'est... Aïe, 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 oh, ben là, c'est fini pour moi, à mon avis.
c'est clairement fini. À part sa si sa connexion est lâche, qu'il a un accident de voiture ou un truc comme ça. Vas-y, c'est la fin, les gars. Ah, mais là, l'écart de niveau, par contre, il se fait ressentir, tu vois. Celui qui m'a tout déglingué, c'est son niveau, hein, tu vois, comme par hasard. Donc, c'est pas pour aujourd'hui le bambou, les gars. On va se tenter un troisième combat. Ce sera l'ultime combat pour passer à 941. Attends, mais les mecs, c'est des fous furieux. J'étais à 999 et ils m'ont fait baisser 60... Ah ouais, non, ils sont violents. Hein. Les mecs, ils te font baisser de 60 points, quoi. Ok, sympa. Allez, bon, je vais... on se retrouve... je vais sauter un combat que je vais regagner et on va retenter le combat du pour accéder au 2003. Donc, les gars, on se retrouve. Donc, victoire sur la partie que je viens de lancer à l'instant, là, juste avant de vous quitter. Et du coup, normalement, pas cette partie, hein, mais l'autre, j'ai accès au truc des bambous. Waouh, mais j'ai trop pas de chance. Eh les gars, si ça, c'est pas de la malchance. Il y a peut-être moins, et si je gagne, c'est vraiment, vraiment du talent, ouais, parce que franchement, ouais, par exemple, s'il va taper dans son assassin, qu'il va taper dans mon arbre. S'il est pas con, il fait ça, il me déglingue. Oh, il s'est chié. Oh, il s'est chié. Oh, il s'est chié. Alors là, moi, je vais pas me chier, par contre, je te le dis direct. Yes, en plus, oh là là. Les gars, cette victoire, elle est épique. Il avait que des cartes niveau 11. Si je gagne, il faut que je gagne. Obligé. Là, mon squelette, il va revivre. Lui, normalement, il colle des beaux dégâts, là.
Oh les gars, c'est la victoire. Oh là 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 là. Même moi, j'y croyais même pas. Là, c'est beau ce qui vient de se passer. Là, c'est beau ce qui vient de se passer, les gars. C'est incroyable. Là, si c'est pas du talent... Pour la peine, je donne des cartes, les gars. Je suis refait. Offre disponible. Bon, forcément, il sait te faire raquer. Oh là 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 là, cette victoire, elle vaut tout, elle vaut toutes les victoires du monde. Le mec a 3 cartes niveau 11, une niveau 10. Moi, regardez mes cartes. Hein. Ça fait 10, 10, 9. Bientôt 10, mais pas plus. Et bien, du coup, objectif de la vidéo réussi, les gars. Et franchement, là j'ai géré sa race. Je suis refait. Donc, je pense que là, on peut se quitter sur ça. C'est nickel. Bah du coup, j'espère que ça vous aura plu. En tout cas, là, je suis bien content d'avoir réussi à faire ce que je voulais. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien.